Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça m'a déchiré. Je vous avais fait le unboxing de la Xbox One et là, je vais vous faire le unboxing de la PS4 édition joueur. Ah bah, c'est marqué aussi ici, édition joueur. Donc, pour les autres, c'est pas des éditions joueurs. Donc, vous n'êtes pas des joueurs. Non, bon, je plaisante. Donc, au début, il y a du scotch. Alors, hop là, on enlève le scotch. Hop là. Donc, j'ai pris le pack, comme vous avez compris, avec Killzone Shadowfall. Oui, voilà, Killzone Shadowfall. Il y a la caméra et deux manettes. Donc, nous allons découvrir ça ensemble. Donc, dans le carton, on trouve un autre carton. Hop. On va ouvrir bien comme il faut avec des instructions au niveau de la PlayStation et de l'environnement. Donc, ça, pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, dans le premier pack, on trouve une manette, la DualShock 4. C'est bien son nom. Hop. Donc, avec des protèges au niveau des touches. Donc, que j'enlève, bien évidemment. C'est la première fois que je l'ai en main. Faudra la tester. Elle est un peu plus grande. Je suis habitué là à la manette, pour vous dire, de la Xbox One. On verra ce que ça donne. Par contre, bon truc, la prise micro qui n'est pas sur la Xbox One. Donc ça, un bon point pour Sony. Donc, les touches agréables au toucher. Après, faut voir ce que ça donne dans le jeu. Un peu plus massif que la PS3. Mais un bon point là, pour l'instant, au niveau du toucher. Donc, nous avons le guide d'utilisation. Ensuite, nous avons des câbles. Alors, un kit oreillette style kit de téléphone. Alors ça, ils auraient pu nous donner autre chose. Meilleur oreillette, je trouve, parce que ça fait un peu... ça fait, pour le prix de la console, comme le pack, il est à 500 €. Voilà, un kit style téléphone, voilà, avec des boutons on-off qu'on lève, on abaisse, ça fait un peu cheap. Ça, un mauvais point au niveau du casque, de l'écoute. Après, on verra au niveau, là, je déballe, je vais essayer de faire un truc un peu mieux que Xbox One, j'espère que ça vous plaira. On a un câble HDMI. Donc ça aussi, un bon point, hein, que le câble soit fourni et qu'on ne doit pas l'acheter. Un câble HDMI, donc une prise Alim, la prise Alim, et une prise Alim manette. Donc, en USB et en micro USB. On va déjà la mettre, voilà. Donc ça, la notice, je vais la remettre à sa place. Après, donc, on a la console avec des notices, un petit guide PS4 connectique avec la PS Vita. Voilà, un petit livret, hein, comme quoi ça va se connecter bientôt. On pourra faire du cross gaming, à voir. Alors, une belle couleur. Voilà. Donc, à l'arrière, on
voir une prise optique, une sortie HDMI, une entrée internet et une auxiliaire. Voilà, et l'alimentation. Voilà, je vous ai cité. Ah non, c'est un USB. Ouais, je crois que ça doit être un USB. USB 3 derrière. À vérifier. Et il y a deux USB. Je vais vérifier de suite si c'est bien une prise USB. Non, non, c'est une auxiliaire. Donc, autre chose que l'USB. Il n'y a que deux prises USB qui sont en façade. Je regarde sur les côtés. Voilà. Assez légère comparée à la Xbox One. Un design en pente. Ouais, joli. Joli, joli. Hop, on dépose les petits cartons. Voilà, pour le premier carton, nous trouvons ceci. Je vais enlever les écouteurs de ce petit sac. Bah, moi, je garde tout. Donc. Alors, aussi, ce que je tente à vérifier, c'est est-ce que mon Elgato va marcher avec la console, plutôt avec les jeux. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Puis, au fond du carton, donc ça doit être des packs qu'ils ont fait. Nous trouvons tout le reste. Alors, nous séparons bien en faisant attention. Donc, nous avons bien le jeu de Killzone, Shadowfall. Excusez-moi pour l'accent anglais. Voilà, c'est pas une version dématérialisée, c'est ce que j'avais peur. C'est vraiment la version boîte. On va enlever déjà le plastique, comme ça ce sera fait. Hop là, voilà. Ça ce sera ajouté. Donc voilà. L'ouverture comparée à la Xbox One, le CD se trouve quand on ouvre à gauche, là il se trouve à droite quand on ouvre. Pour moi, ça n'a pas trop changé ma vie, mais bon. De mal préciser, donc hop. Après, nous avons la seconde manette. Par ah non, j'allais dire par contre, elle est moins protégée, mais non. Voilà la seconde manette, hein, comme la première. Bon, celle-là, je vais la garder en son plastique parce que pour l'instant, j'ai personne qui va la tester avec moi. Donc, ça, c'est toujours bien quand on a un ami qui vient d'avoir une seconde manette. Peut-être ce qui manquait à la Xbox One, un pack avec une deuxième manette. Par contre, on n'a pas de deuxième câble. Et bon, comme c'est des batteries, faut jongler. Non, voilà. Il n'y a plus rien. Donc, hop là. Donc, la petite caméra. Voilà, elle est minuscule. Minuscule comparée à Kinect qui fait 4 fois ou 5 fois sa taille. À voir ce que ça peut donner. Donc voilà, c'était dans le pack. Moi, j'ai pris pour le jeu et les manettes. On va dire que j'ai eu cet accessoire gratuit. Ah voilà, la prise, c'est pour brancher la caméra. Voilà, c'est auxiliaire, c'est comme voilà un petit USB un peu hexagonal, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. J'espère qu'il y a des petits jeux gratuits. Ah, il y a juste un autocollant. Ah, c'est pas terrible. Voilà, j'ai un petit autocollant à coller. Au niveau des. Ça doit être. Non, peut-être il y aura des clips. À voir. Mais bon, ça, c'est vrai que ça prend moins de place qu'une Kinect. Voilà. Donc, mon pack. PS4 est ouvert. Voilà. Tout est bien présenté. J'espère que cette petite présentation du pack joueur Shadowfall Killzone PS4 vous a plu. Moi, je vais aller brancher tout ça parce que, à ce qui paraît, il y a une mise à jour et j'ai pas été le seul
à l'acheter ce vendredi 29. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je me suis répété là, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et aussi, je vais essayer de voir comment faire si ça ne marche pas. Parce que j'ai eu quelques petits échos avec mon Elgato. Mais moi, j'espère le faire fonctionner. Il y a toujours peut-être des mises à jour à venir ou quoi que ce soit. On verra bien. Je vous dis à très bientôt.